Réaliser et enregistrer une animation avec le logiciel OpenSensory. L'enregistreur d'OpenSensory en mode tableau n'enregistre pas les éléments de l'interface. Cela permet de réaliser de sympathiques animations comme cette courte vidéo explicative sur le clonage. J'ai 30 secondes pour vous expliquer le clonage à la Dolly. Prendre une brebis. Lui prélever une cellule de son pis. Prendre une seconde brebis. Lui prélever un ovocyte non fécondé, énucléer l'ovocyte, c'est-à-dire supprimer lui délicatement son noyau, introduire dans l'ovocyte énucléé le noyau de l'autre cellule, prendre une troisième brebis qui servira de mère porteuse, implanter lui l'ovocyte reconstitué, attendre le temps de la gestation, 5 mois environ, pour obtenir une brebis clone de la première. La réalisation de cette animation se fait dans OpenSensory. On commence par importer dans la galerie les images nécessaires. Depuis OpenSensory, on sélectionne le mode bureau. L'explorateur Windows étant ouvert, on sélectionne l'ensemble des images pour les glisser dans la galerie OpenSensory. On revient au mode tableau. Dans le dossier images de la galerie, les nouvelles images apparaissent et peuvent être glissées dans un dossier spécifique. La page titre d'OpenSensory correspond au titre de l'animation. Pour la construire, on prend l'outil « Écrire un texte », on clique dans la page et on saisit le texte. On le met ensuite en forme. La deuxième page du document contient les images qui seront animées lors de l'enregistrement. On clique sur Page pour ajouter une page. On glisse la première image, celle de la petite brebis. Cette dernière sera cachée sous un rectangle blanc. Pour cela, on prend l'outil Dessin et on choisit le rectangle. On active les propriétés de remplissage et on choisit la couleur blanche. On active ensuite les propriétés du trait pour choisir là aussi la couleur blanche. On dessine le rectangle par-dessus l'image de la brebis. Lors de l'enregistrement, on fera apparaître l'image par un glissement avec la souris. On insère depuis la galerie la brebis jaune qui vient se placer par-dessus le cadre blanc. Avec les poignées de redimensionnement, on inverse l'orientation de l'image. La petite brebis blanche est sous la brebis jaune. Lors de l'enregistrement, on fera sortir la petite brebis blanche du dessous de la brebis jaune. On glisse dans la page les deux dernières brebis. Pour les cellules, on prend l'outil dessin et on choisit le cercle. On sélectionne de nouveau la couleur noire pour la bordure. On dessine le premier cercle. Pour le noyau, on modifie la couleur de remplissage en choisissant un marron. À l'intérieur du premier cercle, on dessine un autre cercle, plus petit. Par un glisser de la souris, les deux cercles sont sélectionnés puis groupés. La cellule dessinée est placée par-dessus la brebis marron. Le groupe est ensuite dupliqué pour réaliser la seconde cellule. On dégroupe l'ensemble qui vient d'être dupliqué. Puis on sélectionne le petit cercle central pour en modifier la couleur de remplissage. On choisit un rose. Les deux cercles sont de nouveau sélectionnés pour être groupés. On place cette nouvelle cellule sur le pis de la brebis blanche. Dans cette deuxième version de l'animation, les objets sont rendus invisibles en désactivant la propriété « Visible sur l'écran étendu ». En effet, cette option qui permet de rendre visible ou invisible un objet lors d'une vidéoprojection fonctionne également lors d'un enregistrement vidéo. L'activation-désactivation est facile à mettre en œuvre et son effet est immédiat. Le seul inconvénient, c'est que cet effet n'est pas visible à l'écran. Ce ne sera qu'à la lecture de la vidéo que l'action sera effective. On sélectionne une première image, on clique sur ses propriétés,
la petite flèche et on désactive visible à l'écran étendu. On fait de même pour tous les objets visibles sur la page, c'est-à-dire les trois grandes brebis et les deux cellules. Voilà, le document est prêt. Les modifications étant automatiquement enregistrées, il est préférable de faire une copie de sauvegarde du fichier. Pour cela, on sélectionne le mode document, on double-clique sur le nom du fichier pour le renommer, on sélectionne ensuite dupliquer pour en faire une copie de sauvegarde. On peut revenir en mode tableau. Il ne reste plus qu'à enregistrer l'animation. Ici, la durée des 30 secondes de la vidéo n'est pas respectée pour les besoins de l'explication. On affiche la page titre en cliquant sur « Page précédente ». Dans le menu « Open sans Corée », on sélectionne « Podcast ». L'interface de l'enregistreur se limite au strict minimum. Avant de commencer, il est important de bien vérifier la taille de la vidéo désirée et la source audio. On peut lancer l'enregistrement. On clique sur « Page suivante » pour afficher la deuxième page. On modifie la propriété « Visible sur l'écran étendu » de la brebis blanche qui apparaîtra à la lecture de la vidéo. On fait de même avec la première cellule qu'on déplace au centre de la page. On modifie la propriété « Visible de l'écran étendu » de la brebis marron, puis de la seconde cellule. On déplace cette cellule au centre de l'écran à côté de la précédente. On sélectionne la cellule et on dégroupe les deux cercles. On fait la même chose avec l'autre cellule. On supprime le cercle marron et on glisse à sa place le cercle rose. On sélectionne les cercles de la cellule reconstituée. On les groupe et on peut supprimer l'autre cercle. On modifie la propriété visible sur l'écran étendu de la brebis jaune et on fait glisser la cellule reconstituée sur cette brebis. On sélectionne la cellule, puis on fait un clic prolongé sur la commande « Reculer l'objet » afin de placer l'image en arrière-plan. Par un glisser de la souris, on fait apparaître la petite brebis blanche. Voilà, l'animation est terminée, on arrête l'enregistrement. Le fichier est automatiquement sauvegardé sur le bureau.